Wow, jeez! Ah putain. Putain, ma barre! La triple bouffe. Ah, c'est bon. Mais est-ce que ce téléporteur est essentiel pour obtenir toutes les tours qui me permettent de débloquer la salle du boss? Ou est-ce que tu me fais juste aller prendre un téléporteur pour m'amuser et pour amuser la galerie? Nope. D'accord, donc enfin, d'accord, donc vous servez à rien en fait. Super. Quel enfer! Ah, j'y vais. Que le jeu est généreux sur cet aspect. Oh, ma garde là, normalement ça bloquait ça. Il était dans mon arc de cercle à 180 devant moi. Quel enfer. Bon, c'est pas grave, on a activé le feu. Good enough. Est-ce que je peux au moins en revenir si je le prends? Ça va pas m'aider pour trouver les tours, ça. Je suis où? Je suis perdu. Bon. Mauvaise idée. C'était une très mauvaise idée de ma part. C'est pas grave. Il y a un truc là-bas. Parce que le problème, c'est que du coup, je sais plus où sont les fameuses tours de les fameuses piliers que je dois allumer pour débloquer la salle du boss, tu vois. Je suis perdu maintenant. Et j'ai perdu le compte en plus, bravo. Bon, clairement, il y a un truc là, on va l'astiquer.
Ah, c'est OS. Ah, c'est OS, d'accord, très bien. Il saigne ou pas? Est-ce qu'il y a quelque chose dans le jeu que je peux affronter qui est de mon niveau et qui n'est pas OS? Parce que sinon, ça baisse quand même la qualité du jeu assez grandement. C'est terrible. Enfin. L'état, ça sert à rien. L'état, ça sert à rien de l'affronter. L'état, ça sert à rien de l'affronter. Donc, retournons faire les piliers. Est-ce que si jamais le boss de cette zone que j'affronte, si je débloque les piliers, il me OS aussi? Enfin, sinon, ça sert à rien que je m'acharne. Je pourrais pas le first try en perfect pari pour se calmer, tu vois. Non, il est pourri, d'accord, ok. Intéressant choix de design, mais ok. Putain. D'accord, je suis dessus. Mais la grande question, c'est comment je redescends maintenant. C'est malin. Un des piliers au moins, il y en a un en face du château. Tu peux te TP. Mais le point de TP était où? Ah, tu veux dire que tu peux me TP directement aux flammes, d'accord. Ouais, ok. Ça moins cher que gratte. L'objet est droit devant. Cherchez gauche. Arc runique. C'est un sortilège? Tu râles beaucoup, Bob, ce soir. Eh? Le jeu fait râler. Rats géants et leur daronne.
Saloperie. Sixième feu, je crois, activé. Okay. Bien, voilà le septième. Comme vous pouvez, j'ai raté. Ouh, la vache. Ça tue. Les poules, hein. Petit à petit, parce que sinon... Chier, j'ai rien pour le... Ok. Ok. Chaque affrontement est un cauchemar. Hein. Ça, c'est que pour des potions, on s'en fout. Évidemment. Le fameux combo, flèche sacrée qu'on sait pas d'où elle... Ouais, mais oui, oui, gros champ de vision, hein. Oh, la vision du futur. Ah, bravo, ouais. Absolue fairness, d'une justice sans fin. Nickel. Perfectly balanced.
Alors. Allons-y. Bonk. Je peux pas sauter. Je pouvais pas sauter. 100% faire. C'est Keblo. Rest my grace. Merci. Tant pis, double tant pis. Nom 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 nom. Ça y est. Putain, cette praline que j'ai dans le dos quand même. On y est. Corne de focalisation, je sais même pas ce que c'est. Regret droit devant. Utiliser la clé lame de pierre. Ça déclenche un boss, n'est-ce pas? Bah alors? À quoi ça sert alors que je claque une clé avec lame de pierre à cette merde? Un donjon, ça m'aide à quelque chose. D'accord. C'est une sortie, ça ouvre la prison à droite. Putain, je suis vachement loin, eh. Tu retournes en Khalid à la surface. Bah, c'est intéressant du coup de créer une entrée ici, non? TP ici quand tu veux, mais ça te mène vers Giga Pot Boy. Une carte de la zone ici. Bon, bah du coup, ça sert à rien d'activer la statue en vrai. Non? Vu que j'ai débloqué la grâce qui est juste en dessous. Carte est au premier. Ce qu'on va voir. C'est juste avant d'arriver dans la zone des piliers. Décidez-vous. Tu peux gagner un talisman en prenant un sort quand on a ta charge maximale niveau poids. Mais ça a l'air vous, ça a l'air fou. Ces informations qui auraient été utiles. Bon. Encore
À savoir si la map se trouve ici. Il faut prendre des initiatives, c'est vrai. J'ai tout allumé. Donc ça, c'est l'excellente nouvelle. Qui caste là. Ouh. Ah là. Qu'est-ce que vous gardiez, bande de fumier? Ah ah. De l'artéria, très bien. Et un écu aquilin inversé. Ah! Et là, ouais. Oui. Ok, on en parle. 100% de protection physique, c'est la même chose, c'est juste qu'il pèse moins lourd. Il pèse beaucoup moins lourd. Et il protège moins de tout, sauf... sauf lui, il a 56 de garde, hein, donc il se brise moins. Mais bon bouclier, c'est fashion. La map. Ah. Ah oui, là on parle. D'accord. Et on se souvient, c'est là qu'il y avait le boss? Je sais plus. Je crois que c'est là qu'il y avait le boss. Très bien. Il a l'air énervé. On considère de le faire à cheval ou... On verra bien. Morte couille. Ah. Bah. Essayez postérieur. D'accord, donc restez dans son cul. Quelque chose droit devant. Tiens, droit devant. Essayez feu. À moi la Légion! Bien sûr. Il fallait que j'apprenne pour le décalage. Ou pas?
J'arrête pas de lui courir après, est-ce qu'il arrête de bouger un moment? Et je peux pas invoquer l'autre, putain. C'est même pas sa première phase. Je peux rien bloquer! Mais quel enfer! Enfin! Quand même! Hitbox, elle est dégueulasse, ouais, t'as raison. Bats-toi comme un homme, Bob. Mais il arrête pas de fuir. Il veut pas rester là. Macha, il se déplace, il cavalcade. Et moi, je passe ma vie à courir après, à buter mon endurance pour essayer de le rattraper, si tu veux. Vraiment, hein. Dès que je peux me respé, j'essaie une spé magie. Hein. Enfin. Alors là, waouh, voilà, il met 30 ans à arriver. Elle est dedans et ça va le tuer même dans sa régène. Non. Impossible de le toucher, quel enfer. Bon. Il a une phase 2 ou bien ? J'ai pas des coups à la lance pour une raison qui m'est obscure, il vise vers le bas. Oh.
Il n'y a pas d'autre endroit où tu peux le viser au passage. Ça sert à rien. Ah, trop tôt. Scaribou, quel enfer, mais... Oh, ça touche, t'es sérieux? Bah, quel enfer. J'ai eu de la chance. Enfin! Eh ben... Saloperie. Bon. Je m'alors. There is that and that is this. J'ai réussi, bravo. Vision de Dieu pour bête, hurrah. Bien joué. Zone dégagée. J'ai réussi à admirer Elden. Ouais, force. C'est juste fait étaler. Bon, ça va. Non, pas first try, je me suis fait tuer une fois, je crois. Les nouvelles invocations. Ouais. Je suis pas convaincu. Fais voir. Invoque un disciple ancestral. 63 en PC. Hein. C'est cher. Faut voir ce que ça vaut. En fait, voir ce que ça vaut. Et le truc, c'est que s'il switch entre son arc et son arme au corps à corps, il va servir à rien, si tu veux. Les squelettes, au moins, s'ils sont maxés, ils peuvent ressusciter à l'infini. Il est très très fort. Pas où je trouve, d'accord. C'est vraiment. Et du coup, si je leur touche, je leur commence ou non, ça sert à rien, on est d'accord. Oh. La méduse est quand même forte avec son poison. Le poison! Bon, globalement ici, j'ai plus rien à foutre, à part, à part utiliser la clé pour récupérer le bonus, ok. Il tire des flèches magiques, en plus son combo à la hache. Ouais, mais il faut qu'il fasse les grosses flèches magiques qu'il me balance. S'il envoie pas des poutres, on n'y est pas, tu vois. Une invocation qui coûte 104 de mana, bah je les ai pas. Ça règle la question.
Bon, en attendant, on l'a fait. Pas de nouveau matos, mais une belle victoire. Il est où le Biniou? Où est le Biniou magique qui me permet de porter plus d'objets? Où est-il? C'est qui l'info de chat qui m'a parlé de trouver le Biniou magique qui me permettait de porter plus d'objets et qui du coup m'a fait claquer deux clés pierres alors que c'était pas nécessaire? Qui va se faire bannir au bout là où il y a l'ours? Okay. Bon, gagnant des niveaux. Alors, montée de niveau. On peut en prendre qu'un seul et il va falloir de la force hein, parce qu'à un moment c'est pas possible. Shake vigueur, tout, je manque de tout en fait. Mais à un moment. Bon, il faut que je puisse manipuler des meilleures armes. Pour ça, il me faut des muscles. Tout au bout, là où il y a l'ours. Putain, t'as intérêt d'avoir raison. Et détaille ta pensée. Est-ce que c'est au fond? Est-ce que c'est à l'air libre? Est-ce que c'est dans une caverne? Est-ce que c'est... clé lame de pierre. Il y a des problèmes avec ce jeu, mais... Ça va être un autre boss. Pierre de forge sombre, ce n'est pas ça. Un mob résistant, mais pas un boss. Je ne suis pas du tout à un endroit qui me permettrait d'obtenir ce caillou magique, n'est-ce pas? Vous m'avez allègrement menti, n'est-ce pas? Par contre, c'était l'autre chemin vers le nord. Ah! C'était de l'autre côté, Bob. Ah ah, par là donc. On n'a pas le niveau pour choper le Biniou. C'était le même côté, je me suis trompé, très bien. Tu parles le charme qui augmente l'équipement, c'est pas du tout ici, c'est même pas la bonne région du monde. Zygma, je veux au moins 3 time-out. Tire au pif. C'est bloqué, espèce de petite pute.
À moi. Très bien, j'ai pas de dégâts. Dégueulasse. Super. Hashtag, c'est pour ça que les QTE ont été inventés. Et que c'est pratique. Ça permet de confirmer. Surtout quand tes hitbox sont réputés pour être buggés, hein, Dark Souls 2. Super, super, génial. Voilà, super, excellent. Parfait. T'as réussi une seule fois à le caler. Génial. Ça, c'est dégueulasse, ça. Enfin. Il a loupé des grandes flèches, c'est fort aimable. Bon. J'ai clairement pas assez de DPS. Et il me tire encore d'ici, sans déconner. Bonjour! Rota droit devant. Ah. Et Et du coup,
Ça me fatigue, toutes ces obscurités, putain. Faut que tu invoques les trois marques rouges au sol. Ah ! En même temps ? D'accord. Chevalier de la Grande Jarre. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Très bien. J'ai pas le level. Il donne rien si je les bats. Si je les bats, je gagne l'objet, j'imagine. Mais si je les bats individuellement, il me donne rien. Donc ça veut juste dire qu'il faut que je retourne plus tard, en fait. Quel enfer. En fait, c'est même pas que j'ai pas le niveau, c'est juste que j'ai pas le DPS, purement et simplement. C'est ça qui est rageant. Mais il a fait un heavy hit, super. Tu peux pas bloquer à cheval, t'es obligé de faire un hit. Gros design de jeu, From Software, excellent. Tu ne peux pas bloquer à cheval. Là, tu es obligé d'emmagasiner un gros hit. Gros design. Gros design. Tant pis. Honnêtement, le fait que tu puisses pas bloquer à cheval... Déjà, je vais être sincère, le fait que tu puisses pas bloquer à cheval et taper avec une lance et jouter, je trouve ça absolument ignoble. Skyrim est mieux... Enfin, Skyrim a un meilleur combat à cheval que ça, si tu veux. Ce qui est terrible. Après, tu t'acharnes sur une zone haut level, Bob. C'est vrai. Mais, clairement, avec le super pouvoir de méga bouclier... Et le bouclier qui parie les dommages, je devrais me prendre les dommages de glace, je suis d'accord. Mais dans l'absolu, j'ai parié plus gros, tu vois. Et ça, c'est terrible. Parce que tu peux même pas faire de passe à des mecs à cheval alors que tu te spécialises en joute. C'est-à-dire que t'as une lance de jouteur, un bouclier de jouteur, un casque de jouteur, un cheval de jouteur. Et t'es obligé de te battre au katana contre des vieux mongols qui ont des cimetières à deux mains, si tu veux. What the fuck. Donc ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Je pense qu'honnêtement, ils auraient pu l'équilibrer, que si tu es à cheval avec un bouclier, tu ne peux pas taper à gauche. Tout simplement. Voilà, t'as ton bouclier, tu peux taper à droite avec ta main droite, hein, mais tu peux pas taper à gauche, tu gardes avec ton bouclier, puis c'est marre. C'est à chier. Dynasty Warriors gère mieux le combat à cheval que ça. Et c'est Dynasty Warriors, si tu veux. Ruine où t'as battu le boss sur le bateau. Si jamais t'as raté un item. Battu un boss sur un bateau, j'ai fait ça. D'accord, très bien.
Et enfin, le fait que les ennemis aient pas d'endurance individuelle, ça c'est dégueulasse. Non, le boss était sur une barque. Ah oui, le boss squelette là dans le petit village. Là. Je vois où c'est. Ouais, je sais que je rage. C'est juste que... comment dire ? Entre les flèches qui font des virages pour te toucher, si tu veux. Sans être magique, hein. C'est juste les carreaux d'arbalète qui sont là en mode wouh! En mode équilibrium, si tu veux. C'est quand même des... c'est quand même des... Comment ça s'appelle? C'est quand même des... comment dire? C'est quand même des poncifs que je trouve sales. Aussi, et ça c'est mon avis personnel, même si ça me dessert, je trouve que les flèches ne vont pas assez vite. Les tirs de carreaux d'arbalète et les tirs de flèches vont à la vitesse d'un tir de blaster dans Star Wars. Et je vais être sincère, je trouve ça dégueulasse. Je préfère beaucoup plus Breath of the Wild, qui lui est honnête sur ses flèches. Quand il y a un beau gobelin et tire une flèche, si tu veux, c'est... Enfin, voilà, quoi. Et la flèche, elle va en ligne droite, et elle te rate, ou elle te touche. Mais... T'as une compétence pour faire quoi? Pour faire dévier les carreaux d'arbalète en plein vol? Mais non, si tu veux que tes carreaux d'arbalète en plein vol, ils varient, tu t'apprends de la magie. Et tu fais un magic missile. Pourquoi y a mes âmes là-bas? D'accord, elles sont à chat, on s'en bat les couilles, ok. Vu la gravité, le jeu se passe sur Mars, c'est vrai. Les flèches ont une trajectoire hyperbolique, même dans Zelda. Mais je parle pas de la hauteur et de la gravité, frère. Je parle du fait que la flèche pivote à gauche ou à droite. Expliquez-lui. Je veux t'expliquer que si un mec me tire en face et que je fais un pas de côté, la flèche me suit. Que la flèche ait une trajectoire hyperbolique, c'est très bien. Je critique zéro ça. Ah ouais, d'accord. Je croyais qu'il avait coopéré avec les monstres et tout ceci. J'imagine qu'on ne peut pas négocier avec les Afghans. Allons-y. Ramenez-vous! Ramenez-vous les Tchétchènes! Tchétchénie! Voilà! Pourtant, les flèches que nous, on tire peuvent miss, non? Bah, bien sûr! Elles ont même pas la même trajectoire. À la rigueur, il y aurait la même. Ok, parlons-en, tu vois. Et ça rendrait plus viable les archers. Donc à la rigueur, ce serait un buff bienvenu, je pense. Mais là, en l'état, on n'y est pas. Oh, c'est le moment de le tester cependant. Effectivement, il a l'air énervé. C'est ça en fait, le jeu joue pas au même jeu. J'ai l'impression que les boss et le perso que tu joues viennent pas du même jeu. Si je puis, j'ai l'impression que les boss sont une version facile des boss de Sekiro. Tu vois ? J'ai l'impression que les boss viennent de Sekiro et que ton personnage vient de Demon's Souls en fait.
Demon's Souls ou Lords of the Fallen avaient pas la même dynamique. Du coup, ça crée un déséquilibre et c'est pas foufou, c'est pas folichon. Mais du coup, j'ai tué tes hommes. Comment ça se passe? Ah, you is it? I suppose you must have seen it by now. Yes, the sorry state of my fort. Oh, indeed, it is a foul fate for a land to be without a ruler. One must be found with haste, and not that awful Godric. The true and stalwart lord of the proper lineage to take the reins of Limgrave. I'm sorry to have lifted your hopes, but I haven't the authority to raise you to knighthood as things stand. It's okay. The great Kenneth Height issues his sincerest apology. But now, I must begin my search post haste. For a true and stalwart lord of the proper lineage to take the reins of Limgrave. I must begin my search for a true and... On peut l'aider plus ou pas? Le jeu a ses qualités et ses défauts. C'est vrai, mais le problème c'est que ces défauts sont des défauts qui, à mon humble avis, sont facilement réglables. Ma grande question ce serait qu'est-ce qui reste de l'équipe qui a fait Demon's Souls pour cet Elden Ring en 2022, tu vois ? C'est ma grande question en fait. C'est je me dis. Ah oui, c'est vrai, il y a plein de chevaliers ici. C'est la même, j'y crois pas. Ça, il faut aller explorer. Ça aussi. La petite tombe, ça. Tu disais, Zygma, là où il y avait le magasin avec un bateau. Ok, très bien, on va y retourner. D'abord, on va se téléporter là. On va aller au nord. Ouh, la belle brochette de fils de pute! Ouh, la belle brochette de fils de pute! La belle brochette de fils de pute! Oh là là, la belle brochette de fils de pute! Taïho! Taïho! Ah, bien joué. À chaque fois, je me fais avoir. Il y a aussi un truc, et ça si je puis me permettre, c'est que j'ai l'impression que ton protagoniste se stagger beaucoup plus que les monstres. C'est-à-dire que quand moi je prends un dégât, je suis au moins paralysé pendant minimum une seconde. C'est pas rien une seconde hein, dans un combat qui est aussi rapide. Et où les mecs combattent et enchaînent à l'infini. Alors que si moi je hit un ennemi... J'ai l'impression qu'ils vont cligner des yeux pendant une demi-seconde. Ça va les stagger, bien sûr. Mais c'est pas le, le dégât n'est pas le même, tu vois. J'ai plus de flèches, ah lol. Tu vois, regarde. C'est juste une torche de merde, si tu veux. Et impossible de passer ça, tu vois. Donc je...
Tu peux augmenter ta stabilité avec les plus grosses armures. Oui, mais c'est pas ça que ce que je veux dire. C'est que même si tu joues le perso le plus light, c'est-à-dire t'es à poil et tu fais des roulades à la vitesse supersonique, si tu te prends un hit, tu vas être stagger pendant une seconde et demie, pendant le temps d'une roulade et demie en fait. Voire deux roulades si t'es très rapide. Donc ça t'ouvre à tous les combos de l'univers en fait. Et je suis pas fan de ce genre de gameplay parce qu'il est pas nerveux en fait. Il est pas nerveux et il est mieux joué de manière réactive. Parce que le proactif, tu ne peux l'atteindre que lorsque tu commences à avoir des niveaux trop imposants ou lorsque ta différence de puissance avec les mobs en face est trop grande. Donc c'est un style de jeu, je peux comprendre. Mais je ne pense pas que ce soit un bon style de jeu. Le gameplay Dark Souls a toujours été fait sur la lourdeur aussi. Oui, mais récemment, il n'est pas fait sur la lourdeur. Il est fait sur la lourdeur de ton protagoniste. Et pas sur la lourdeur du reste, en fait. Il me semble que Bloodborne avait le même problème. Ouh, le beau. Oh, shit! Saloperie. Ce que j'ai récupéré, viande séchée immunisante, rune dorée. Putain, il m'a fait flipper. Donc c'était là ce qu'il y avait, ok. Donc on est d'accord, il n'y avait rien d'autre. Hein. Rien de bien plus folichon ici, ok. Bon. C'est pas une question d'équilibre. Essayez de comprendre ce que je veux dire. L'équilibre, c'est lorsque tu gardes et que tu te fais stagger par un combo et tout le reste. Tu as tout loupé, il y a une canne. Hein. D'accord. Moi, je te parle quand tu te fais frapper, que tu sois en plus grosse armure du jeu ou à poil. Bon, c'est sûr que si tu es en grosse armure du jeu, tu vas résister mieux au stagger, c'est sûr. Mais si tu te fais stagger, c'est le même temps pour tout le monde, c'est la même animation, tu vois. Comme quand j'étais sur le cheval et que je me suis fait bolosser par Mamlookman. Je sais pas où elle est ton entrée. Tu parles de la recovery, absolument. Absolument, absolument. Et la recovery est beaucoup trop longue par rapport à ce que les ennemis, eux, ont. Ça. Je
censé être un boss? Bonjour madame, vous avez une statue sur la tête. Tarnished, are we? No wonder you should turn up here. I am Selen, a sorcerer, quite plainly. Why are you here? D'accord, tout s'explique. Vous êtes comme les mecs qui me bolossaient dans la ville là-bas. Ah, a yen for Glimstone sorceries. I dare say your proclivities are far from ideal. Oh well, perhaps nurture will defy nature. With a bit of luck. But one must choose one's masters wisely. I was exiled from the Academy of Rhea Lucaria as a reviled, apostate witch. Do you still wish to learn from me? The fuck do I care about it, yeah? Well, you are a piece of work. Very well. You are now my protégé in Glimstone sorcery. But I refuse to coddle or cast kind words. Never. Anticipate grievances. Young apprentice. Tant que je peux vous épier dans le bain. Alors, arc de pierre d'éclat. Sonic Boom. Barrage de cristal. Piu piu piu. Arme d'érudit. Oh. Bouclier d'érudit. Oh. Flèche de pierre d'éclat. Young apprentice, first things first. You are a tadpole when it comes to magic. Infantile. So, to become a sorcerer, first, you must face your ignorance. Mais j'ignore. Shall we start learning? You wish to continue very well. C'est quoi ça, le statut multijoueur? Là où t'as pas le droit de faire des trucs en multi. Ah. Le chevalier loup avec l'épée de Guts? Ouais, même que je l'ai tué, j'ai looté son armure et son épée, c'est trop bien. Non mais vous donnez tout le temps des infos de chat, moi je donne des infos stream maintenant. Je mens, te laisse pas avoir, je tue pas les PNJ. À nous deux, Mamlookman. Bien joué. Bah alors. D'accord, double injustice, très bien, allons-y. Trop tôt. Triple injustice. Si
S'il vous plaît, l'autofocus, est-ce qu'on peut viser l'ennemi? Merci. Enfin. Si c'était pas trop demandé, hein. Là. Bon, d'accord. Enfin. Désarçonneur, super, je l'ai déjà. Ah putain. Ça aussi, les ennemis ont un tracking de psychopathe, mais toi ton tracking il est aux chiottes. Bien évidemment ça touche jamais ça. Ah si ça touche. J'aurais pas cru. J'aurais tué un ennemi à l'arbalète, première fois, tiens. Allons-y. Le tracking, merci. L'arme. Génial. On adore. Jesus Christ. Là. Enfin. J'ai pas le souvenir que dans les Souls précédents, ils étaient aussi agressifs, les ennemis. Genre, ils la ferment jamais! Ouais, je cherche, ouais. Enfin. Chercher objet précieux. Parchemin de la maison royale. Qu'est-ce que ça fait? Ouch. Pas les sites de grâce d'ici. Putain. Ah si, mais il est planqué, d'accord. Ok. Il faut que tu le donnes à la sorcière, d'accord. Il y a un coffre dans le camp. Putain. Bon, on y retourne. There you are. Shall we commence the lesson? Is that a scroll? Takes me back to my academy days. Very well. This is sorcery with which I'm not entirely unfamiliar. I'll be sure to incorporate it into one of your lessons. Never lose that inquisitive spirit, my apprentice.
trancheuse Kaya. Et phalange de lame éclat. You wish very well. Our art draws upon the powers embedded in Glimstone. But what is the nature of such power? Glimstone is the amber of the cosmos. Golden amber contains the remnants of ancient life and houses its vitality, while Glimstone contains residual life and thus the vitality of the stars. It should not be forgotten that Glimstone's sorcery is the study of the stars and the life therein. A fact lost on most sorcerers these days. Voilà. Techniquement, il fait juste son job. Non, mais je m'amuse aussi. Parce que quand ça marche, ça marche. Mais le moment où ça marche pas, c'est tellement facile de le fixer que c'est rageant. Prends le guerrier croisé, là. Celui sur lequel on en a chié pendant 40 minutes au début de... Oh, ils sont tous trop... Sur lequel on en a chié pendant 40 minutes au début de la run, là. Juste après le dragon. Ou le dragon. Le dragon, c'est génial, aussi. Le dragon, c'est du miel. Plus tard dans le jeu, ils mettent 40 dragons. Je suis pas sûr que ce soit une excellente idée de level design, mais... Why not? Si après tout, t'as la puissance pour le gérer, c'est eux qui l'équilibrent, ok. Mais pour le coup... Prends le chevalier bouclier. Qui est bullshit, je te l'accorde. Mais qu'une fois que t'as trouvé le truc qui marche, est jouissif. Et que même sans les paris, ça se joue. Il a les run faire as fuck, mais en vrai, il est tight. C'est juste que ton personnage... Comment dire? Enfin, tout cet ennemi, il était bien. Pourquoi? Parce que tous ses timings étaient calés sur tes timings. Lorsqu'il fait deux attaques, tu peux rouler entre toutes ses attaques. Lorsqu'il fait toutes ses zones, ça délaye un petit peu pour que tu aies le temps de l'esquiver. Enfin, tout était... c'était du miel, ce boss. La réalité, c'est que c'était du miel. Ce boss était en miel. Merci, eh. Tu vois, regarde, j'aurais pu rouler de ça normalement. J'aurais pu et dû rouler de ça. Il faudrait que les recoveries sur tout soient plus courtes. Sinon, ça laisse moins de place au skill et plus place au pierre papier ciseaux bête en fait. Si à la rigueur il y avait une stat, si à la rigueur la dextérité, pour chaque pourcentage de dextérité que tu as, augmente ton taux de recovery de 1%. Et qu'à 100 dextérité, t'as 100% de taux de recovery, donc tu te remets deux fois plus vite de tes taux de recovery. Vous allez me dire, c'est pété. Oui, mais quand t'as 100 dans une stat, t'es pété de toute façon. Si t'as 100 d'intel, 100 de force, tu commences à être craqué du fion. Alors que strength, je devrais avoir la même dextérité que j'ai au départ, c'est-à-dire je devrais ramer de la chatte, puer de la bite, mais quand j'en cale une, ça devrait être une, tu vois, et pas deux. Yes.
Faut aussi penser au PVP. Et ben dans ce cas-là, tu mets des dodge slash, tu mets des paris, tu mets des feintes. J'ai 60 en dex et ça change rien. That's the fucking problem. Précisément. Quel cauchemar. J'espère que vous comprenez ce que j'essaie de dire. Alors, pourquoi je suis revenu ici? Je suis revenu ici pour un coffre. Où est-il? Grande rapière. Allons voir. Laissez-nous convaincre. Encore une arme d'ex. Ah, force et dex, d'accord, fair enough. Bien ça. Upward thrust, qui sert à rien, mais voilà. Stab, stab, stab. Gros slash. Ah, tu peux cancel avec un backdash quand même. Euh, 124, ma lance fait combien? Mais elle est plus 4, ma lance. C'est l'heure, j'ai mis un réveil à 2h20. Oh, pas tant de dégâts de plus que ça, fais voir. Ouais, une trentaine, quarantaine de points, ok, d'accord. On peut la tester. On peut la tester. Après, c'est peut-être de ma faute, peut-être que je me fais souffrir pour rien en allant dans des zones qui ne sont pas à moi. Elle est sexy cette grande rapière finalement. La grosse attaque sort vachement vite. La petite attaque. Putain, attends. Presque 0,75 secondes. Une seconde, d'accord. La grosse attaque est presque aussi rapide que la petite, c'est quand même fou. Ok, so. Il fallait que je retourne là. Ok. La rapière, c'est pas de la dex? J'ai assez de dex pour manipuler cette rapière. Alors. Geôle du limier isolé. Ah! Et c'est vrai que c'est une arme de chevalier. Qu'est-ce que ça donne à cheval? Tu balayes ou pas? Non, il trust. Ah, il trust. Ah, dégueulasse. Dommage. Right. There you are. Had to work for it, but it's done. Don't say I'm not a man of my word. Here's your prize. Merci. Oh yes. If you venture north to Rhea Lucaria. And come across a venerable blacksmith who's a little on the large side. Tell him I sent you, and he'll be sure to treat you right. I owe you one, I reckon. That's enough chit, it's time we part. That's enough time we parted. Ok, très bien. Alors,
Du coup, j'aimerais bien accomplir la quête de la petite chaperon rouge. Est-ce que ça se trouve dans le château? Ah merde, j'avais oublié le merde, j'avais oublié le... Dans la zone où t'étais, le sous-sol magique et un boss dans un portail qui lutte n'a pas fait dans ce cheval actuel. Ah oui, c'est le géant qui me one-shot, c'est ça? Intelligent. Le château est un donjon et c'est très long. Ok, fair enough. On va retourner dans le village avec la flotte. Là où il y avait le connard en bateau, tu me disais. Et qu'il y avait un item qui manquait. J'ai mis un deuxième réveil, rassurez-vous. Où est-ce que j'ai raté, donc ici, dans ce pays joyeux et glorieux? Ça, là? Je veux pas tuer les tortues. Allez, on s'attend dans la poudre cheminette. Ah non! Talisman de la tortue verte. Qu'est-ce que ça fait? Accélère la récupération d'endurance. Oh, effectivement. Effectivement. Augmente la focalisation, c'est-à-dire... C'est quoi la focalisation? On ne sait pas. Focalisation, c'est le temps de cast spell. Après, la masse, c'est fiable de ouf aussi. Chose par là. Je veux te conseiller un petit boss aussi si tu veux. Parle-moi, Zygma. En réalité, je voulais aller au château ou alors aller à la mine pour. Dans la mine. Mais je sais plus où sont les mines. Il me semblait que j'avais vu une mine quelque part et elle doit être occultée sur la map. Cabane du maître guerrier, à gauche du chaperon rouge. Donc, cabane du maître de guerre, donc à droite du chaperon rouge, l'autre gauche, très bien. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on y trouve? De nuit, un boss. Ah. Mais ça, vous l'avez dit plusieurs fois et je l'avais pas trouvé.
Donc il est dans la cabane. Il remplace le maître d'armes ou pas du tout? Il le remplace, d'accord. Pour se mettre en position pour le voir. Donc. Ok, on le voit là. To learn a battle. Well. Il a disparu, où est-il? Vite! J'ai vu la merde. La lance marche contre lui ou pas? Pas. Ouch. Jesus Christ. Ok. Voilà, vache.
Heureusement qu'il était faible face au bouclier, putain. Perle cinéraire du marchand d'os. Et le goût qu'elles avaient ? Meilleure temporairement l'endurance. Et il commente ou Ah, hello. Here to learn a battle. Non, il s'en bat les couilles, ok. Well. D'accord. C'est pour aller donner à la vieille à la table ronde. Très bien. Bah écoute, on va juste avancer jusqu'au prochain point de sauvegarde. Et après, c'est fini. Je fais ma valise. Je termine les derniers préparatifs. Et je pars pour le Battle 4 et je vous attends demain. Ah, pas prendre mon... Quoique. Si seulement j'avais moyen de tester les armes avant de les upgrader. Si seulement j'avais moyen de sauvegarder, d'upgrader les armes, de voir lesquelles sont rentables, lesquelles sont intéressantes. Pour y mettre mes points. Presque tenté de faire du cheat engine et de me donner des pierres, tu vois, plutôt que d'aller les farmer dans la mine comme un débile. Mais, ah. C'est a lot of effort. Merci, Frank Miller. N'oublie pas de host le live demain. Bah non, mais le live aura lieu sur mon live, rassurez-vous. Ah, d'accord, elle était pas loin, la grâce évanouie, donc. D'accord. Bonjour. Qui vous êtes ? You're tarnished, aren't you? I would advise against taking the main gate into it. It's tightly guarded by hardened old hands. Try the opening right here. The guards don't know about it. You'll breach the castle undetected. Si je dis non, je peux quand même l'emprunter par la suite. Mais là, je suis tenté de dire que l'entrée principale... Très bien, en fait. Très bien. Fair enough. Well, if you must go through the gates, I'll signal them to open. But of course, I'd advise against it. Ah non, mais je vous ai entendu, monsieur. Et je vous remercie. D'accord, c'est ce passage dérobé. Ah ouais, c'est vraiment un passage de lâche. Allons-y. Oui, le stunlock, s'il vous plaît, merci. Ah, putain de merde.
Non mais ça touche personne, c'est super. I swear to Christ. Génial. Gros tracking. Là. Là. Victimus ne s'encombre pas des passages secondaires. Ouch. Ouais, mais oui, mais bien sûr, tourne-leur le dos. Le Locon qui... Regardez ça, le Locon qui s'enlève tout seul. C'est génial. C'est tout ce qu'on aime. Là. Clairement, mon pot d'air a diminué depuis que j'ai ce casque. Là! Ah merde, forcément, j'avais oublié ce détail. Oui. Bien joué, bien joué, bien sûr. Oui, mais... Pour l'amour du Christ. Merci. Le lock, s'il vous plaît. Merci. Nous sommes passés en force. Fièrement, puissamment. What the fuck is that? Ok. La caméra, merci. Ok, d'accord. C'était bloqué, mais ça s'est jamais bloqué, super. Nickel. Oh! Oh, mais bah bien sûr. L'injustice.
Hashtag l'injustice. Ok, très bien. Pas de cheval, super. Bon. Quand même le temps de me toucher, ça c'est infernal. Pitié, laissez-moi avoir une contre-attaque digne de ce nom. C'est quand même fou. Enfin, j'ai pas assez de dex. Pourquoi j'ai plus assez de dex? J'avais assez de dex avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah d'accord. Bien sûr. Le talisman. C'est le talisman. D'accord. D'accord, fair enough. Mine? Ça mérite d'être plus rapide comme attaque, ouais. Enfin. Toi, petit fils de pute. Ouh ! Voilà ! Ma vengeance est totale. Ok, donc là, il y a un lion à la con.
contre lui. Le Minotaure va se faire écarisser la gueule. Les squelettes, pas dit que les squelettes fonctionnent. Les soldats, avec leurs boucliers, aucune idée. Les loups, non, pas dit. La méduse, toujours la méduse. Ah, fair enough. You know what? Ils sortent d'où, eux ? Au moins, ils ont la gentillesse de se faire toucher. Très bien, merci. Troisième hit en réatterrissant, dégueulasse. La méduse, elle s'est fait bolosser. Elle s'est fait bolosser, je pense. Ah. Ok. Alors, plus par là ou par là-bas? Pas de chevalier en vue. On est d'accord, c'est un piège. Hein. Le point de sauvegarde est le plus proche ou en face? Enfin, comment dire, pour faire la quête de la gonzesse, il faut que j'aille en face ou à droite? Prendre le chemin secret. Ah. Je peux l'activer sans respawn les monstres, hein, c'est ça.
plus ordinaire de sujet. Ah, bonjour. Oh shit! Mais... Quelle saloperie! J'ai toujours pas, non, d'accord. Est-ce que c'est par là que je vais trouver la quête annexe du petit chaperon rouge ? Des griffes ! Oh ! Intéressant. Fils de pute qui nous emmerdait. Mais d'abord... Forcément. Destruction. Oh pardon. Est-ce que je suis au moins dans la bonne direction, pour l'amour du Christ ? À quelle distance j'en suis ? C'est loin ? Putain. Je sais pas où je suis. Ah, je suis en tôle.
Gantelet de chevalier banni. Oh, ça veut dire qu'on peut avoir son armure. Ça a farmé. On me dit que c'est loin, d'accord. Bon, bah, on s'arrête dès qu'on trouve un point. Alors, c'est piégé. Non. Talisman de l'épée courbée. Clé rouge. Donc à part ce talisman ici, il n'y avait rien d'autre donc. D'accord. Ce cancel, ouais, je me suis fait cuck. À partir d'ici, où vais-je? Une porte juste en bas pour la suite. T'as la clé de la porte. Juste en bas, juste en bas, juste en bas. J'ai failli faire une erreur. Juste en bas. Ce talisman de régénération qui marche à son plein. Je veux pas dire mal, mais... Ok. Vous, c'était couillu. On a vu un mécanisme dans la pièce où t'étais enfermé. Info chat! Info chat! Toutes ces infos chat. Oh non! Oh non! Victimus! Oh! Des vraies attaques.
t'intéresse au lore du jeu, Bob? Il n'a pas su se rendre intéressant. Donc non. Ouh la bidasse. Ouh la bidasse! J'espère qu'il y a un point de sauvegarde bientôt parce que... Que d'ascenseur. Ok, il ne bouge pas, super. Ah voilà, un point de sauvegarde, excellent. Graisse incendiaire à cordon. Regardez bien mes trous. Ah oui, trous. Effectivement. Ok. Voilà. Je m'arrête là. Fair enough. Mélange de salut miraculeux plutôt que moitié des PV maximum réduit les dégâts subis. Mire temporairement l'endurance. Des nouveaux gantelets pour Victimus. Oh, Victimus. Victimus banni. Victimus canne de guerre. Victimus barbare, Victimus soldat, Victimus et son armure de chevalier, Victimus avec sa tenue de paysan quand il va mettre planter des choux dans son champ et ensuite baiser sa femme, Victimus au confessionnal, Punished Victimus. Victimus à la cour de l'impératrice. Avant qu'il la bouc bouc bouc. Victimus, c'est le meilleur Playmobil. Fifty Shades of Victimus. Ah bah d'accord. Ok, bon bah Alt F4 à l'ancienne. Brave gens, je vous aime très fort. Je vous retrouve demain pour le Battle 4. Je vous remercie infiniment. Je vous fais de gros bisous. Et je fais ma valise et je vais au lit. Allez! Allez! Merci infiniment en tout cas. Et je vous fais de gros bisous. Hop! Non, Hydre. Je vais me coucher. Demain, je me lève tôt. C'est pas raisonnable. On a mis des tier lists sur le Discord. Merci beaucoup. J'espère que vous avez proposé des tier lists sur Twitter ainsi que sur le Discord. Vous êtes des amours. Allons-y. Bisous et à demain !